Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous montre comment préparer une délicieuse panna cotta grecque sans pâte phyllo. Un plat plein de saveurs, idéal pour un repas agréable et délicieux. On commence par chauffer l'huile d'olive dans une poêle à feu moyen. Ajoutez l'oignon finement haché et faites-le revenir pendant environ 2 minutes, juste pour le rendre tendre et parfumé. Ajoutez ensuite les épinards en plusieurs portions. Ils vont réduire de volume, alors laissez-les cuire pendant quelques instants entre 5 à 10. Quand les épinards sont bien cuits, ajoutez les oignons frais, l'aneth et le persil. Mélangez bien le tout. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Puis laissez revenir 2 minutes supplémentaires. Retirez du feu et laissez refroidir la préparation. Pendant que les épinards refroidissent, on prépare la pâte. Dans un gros bol, versez le lait, l'huile d'olive, le yaourt grec, du sel, du poivre et les œufs. Puis mélangez bien pour que tout soit incorporé. Ajoutez ensuite la farine et mélangez jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Maintenant, nous allons combiner tout ça. Ajoutez les épinards refroidis dans la pâte et mélangez bien pour tout incorporer. Enfin, émiettez la feta avec vos mains directement dans le mélange en laissant des morceaux un peu épais pour plus de saveur. Mélangez encore une fois pour bien répartir la feta dans toute la préparation. Maintenant, huilez votre plat, y compris le bord pour éviter que la panna cotta ne colle. Versez le mélange dans le plat. Étalez bien et saupoudrez avec le fromage. Mettez au four préchauffé à 200 degrés pendant environ 50 minutes. Et voilà, notre panna cotta sans pâte phyllo est prête. La surface est dorée, le fromage a fondu et a créé une belle croûte croustillante. Elle se coupe facilement et elle est délicieusement fondante à l'intérieur. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire, ça va me faire plaisir et ça va m'aider. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.